le réseau IRED rejoint officiellement Dynamique Républicaine. C'est la grande décision qui rassemble les militants et sympathisants du réseau IRED à Banté après la mise en place du mouvement le 15 septembre 2018 à Tchéti. La présence du président d'honneur du réseau dans l'arène politique traduit sa volonté à trouver de solutions aux maux qui déciment la jeunesse de la commune de Banté. Le sens quotidien de mon combat est en premier lieu l'union des filles et fils des collines, surtout, et celle de la commune de Banté et celle de Savalo. Je mets l'accent sur Banté parce que, qu'étant paternellement de l'arrondissement de Louba, dont le roi est ici présent en face de moi, Louba dans la commune de Banté, et maternellement de l'arrondissement de Tola, dans la commune de Savalou, où je suis né et j'y suis. Ma présence ces dernières années au pays, sinon en terre de Banté, pays de pacte de terre, est sans doute la venue de l'enfant prodigue au bercail. En second lieu, c'est la promotion des jeunes et cadres. La jeunesse, porte flambeau du développement durable, doit retrouver sa véritable place dans les différentes prises de décision. Attisant de poing du programme d'action du gouvernement, Adam Dende Afo a renouvelé son soutien indéfectible au président Patrice Talon. Permettez-moi d'affirmer ici haut et fort, et ce comme d'habitude, notre soutien indéfectible au programme d'action du gouvernement et au gouvernement, et de dire au président de la République, son Excellence Monsieur Patrice Talon, que notre circonscription électorale, la 9e, et surtout les communes de Banté et de Savalou, où j'y suis, le soutiennent et doivent le soutenir, car nous, c'est-à-dire Adam Dende Afo et toute son équipe, nous sommes là pour faire le travail qu'il faut pour une large adhésion à vos idéaux, cher président de la République. Séduit par la grande mobilisation, l'honorable Jean-Eudes Okoundé ne doute plus du soutien des populations de Banté aux actions du président Patrice Talon. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, le président Talon, ne peut plus dire que Banté n'est pas dans la mouvance. Ce que j'ai vu ici aujourd'hui me prouve que Banté porte le chef de l'État et que Banté veut rester dans la mouvance pour travailler aux côtés du chef de l'État. C'est pour ça que je voulais féliciter le président d'honneur, M. Afo Dende, pour son ambition de faire venir tous les fils et filles de Banté avec le président Lahourou, travailler avec le chef de l'État pour le développement de ce pays. Jeunes, femmes, hommes et autres groupes sociaux ont promis leur soutien indéfectible au président d'honneur Adam Dende Afo.